Il n'y a pas de fait de drogue et d'alcoolisme profond qui soit arrivé. Si cela arrive, on prend directement des mesures nécessaires. Et directement, ça veut dire qu'il y aura un écartement de la personne, un suivi médical obligatoire, etc. Donc ces accusations sont tout à fait fantaisistes, selon vous ? Ces accusations sont fantaisistes. Il arrive dans des circonstances exceptionnelles, comme un nouvel an ou un départ en pension, que sous la surveillance de la direction générale, d'ailleurs, il y ait un drink offert à la cantine. Ça se limite à un petit verre de vin mousseux pour les personnes qui sont de garde. Et pour les chauffeurs, ça se limite, bien sûr, à un jus d'orange ou un Coca-Cola.